finaliser, hein, mais de lancer l'écriture d'un numéro de Mediapart sur le territoire. Pour eux, c'est un peu de la nourriture facile, parce que en général, ils sont regroupés et le berger, il ne surveille pas vraiment. Du coup, c'est de la nourriture facile pour eux. Du coup, c'est... Et voilà, donc, c'est l'effet contraire de ce qu'ils voulaient, à savoir... Voilà, c'est détruire les nids. D'accord. Voilà. Et donc, c'est ce qui explique ce que tu veux dire, en fait, en disant que l'humain ne peut pas domestiquer de l'eau. Oui, voilà que... Laureline d'Argentrée. Je suis professeure de français au collège des Chalets, classée en éducation prioritaire. Parce que moi, je prends des notes, tu dis. D'accord. Qu'est-ce qui m'a plu dans ce projet ? Deux choses. Je pense que c'est un bon prétexte pour les élèves pour écrire. Parce qu'il en faut un. S'ils n'ont pas l'impression que c'est utile, ils ne le font pas. Et la deuxième chose, c'est que ça permet aussi aux élèves d'aborder le journalisme, qui leur paraît parfois un peu éloigné ou un peu flou en fait comme notion. Parce que c'est vrai que prendre l'information aujourd'hui, on peut la prendre de n'importe où. Il n'y a plus une étiquette, on va dire, officielle au journalisme. N'importe qui peut être producteur d'informations. Moi, j'avais du mal à faire la liaison entre le territoire. Qu'est-ce que ça peut apporter sur la définition d'un territoire ou, Il manquait peut-être une transition. Ouais, il manquait la transition. Tous les trucs qu'on appelle sont reliés au territoire. Bah là, il faut carrément aller sur J'essaie dans ma tête, j'ai fait des recherches sur... Erevan proposait plutôt une réflexion générale sur le partage des pouvoirs. Donc Pierre-Albert Ruquier, je suis un des cofondateurs d'une entreprise qui s'appelle Storyzy, qui est basée à Paris et qui travaille sur la désinformation sur Internet. Et notre métier consiste à catégoriser des sites d'information, des blogs, des chaînes YouTube dans des catégories qui sont par exemple complotistes, propagande, haine, etc. qui ont tous comme point commun de faire de la désinformation ou de la manipulation de l'information. Ah, ça ramène du monde ? Non, c'est la taille de Rodier. Ah, ça peut ramener des gens, oui. Surtout, c'est quand même une entreprise. Supermarché. Alors, Lactalis, ouais, je pense que... Mais soit vous le faites en un seul article, ce qui me semble peut-être plus compliqué. Alors ce projet, je le trouve super parce que c'est vraiment un projet qui a du fou, maintenant acquis une certaine maturité et qui est en train de passer à une seconde phase qui va être beaucoup plus amplifiée puisqu'on est passé d'un support papier en quelque sorte à maintenant quelque chose qui va être complètement internet. Et ça, c'est formidable parce qu'aujourd'hui, tout passe par internet. Hein. Et puis le fait d'impliquer les élèves des collèges, voire des lycées, et maintenant de l'élargir à tout le monde, puisque si j'ai bien compris, le projet va faire que n'importe qui, au fait, pourra publier sur cette plateforme, c'est formidable. Après, ils sont déjà... On a 140. Religion, territoire, identité. Non, c'est un peu du report parce qu'ils ont été là sur la date. Reportage.